Et c'est là que commencera votre pénitence. Toutes ces âmes perdues, trahies ou condamnées, vous les retrouverez et les renverrez à l'arbitre, qui les jugera avec la compassion qu'elles méritent. Vous travaillerez sans relâche sous l'œil vigilant de Doritour. Écumerez jusqu'au plus sombre recoin. Jusqu'à ce que toutes soient libres et qu'il ne reste plus que vous. C'est ainsi que vous contribuerez à la renaissance de vos victimes et de mon peuple. Je n'y manquerai pas. Je m'y engage. Andu Falador, mon vieil ami, surveille-la bien. Tyriande, tu vaux mieux, tu vaux pas mieux qu'elle. C'est tout. Elle a peut-être envoyé des milliers d'âmes dans l'antre, mais toi, t'as envoyé son âme dans l'antre. Tu vaux pas mieux qu'elle. Nous sommes les enfants des lunes. La pénitence de la Banshee sauvera bien des âmes en perdition. Ce destin ne se serait pas accompli si je l'avais tué en Sylvarden. La Horde a infligé une terrible blessure à mon peuple. Vous n'aurez peut-être jamais plus ma confiance, mais merci pour votre intervention. Varessa et Aleria. Mon arc est bandé. Après avoir été témoin des crimes de Sylvanas pendant la guerre, j'ai cru que la sœur que j'avais connue autrefois avait disparu pour toujours. Mais quand j'ai appris ce qui s'était passé ici en Ambreterre, j'ai su que je devais venir voir par moi-même. C'est peut-être stupide de ma part de me raccrocher à cet espoir, mais j'ai déjà perdu tant de proches et d'amis. S'il reste la moindre chance que la Sylvanas d'autrefois soit de retour, je ne peux me résoudre à lui tourner le dos. N'oubliez jamais ce que... Depuis le temps qu'on ne lisait plus que haine et noirceur dans les yeux de notre sœur, entrevoir enfin celle que fut Sylvanas. J'avais perdu tout espoir de la retrouver. Je suis heureuse d'avoir pu lui parler, Verisa. Dommage que les retrouvailles aient été si courtes. Gardons espoir. Si elle tient parole et va au bout de ses engagements, nous la reverrons peut-être un jour. Rien ne sera jamais plus comme avant. La souffrance qu'elle a infligée au Cal d'Oreille, au monde entier, comment pourrait-elle réparer un tel préjudice? Est-ce seulement possible? Mais si sa pénitence peut apporter un semblant de paix à ses victimes, ce sera un bon début. Tu as raison, Dame Soleil. Notre famille a connu des heures bien sombres, mais nous devons garder espoir. Oui, petite lune. Mère, père, Lyrat. Eux ne sont plus que de lointains souvenirs. Notre sœur semblait perdue aussi, mais nous verrons. Bien. Mesdames Courcevent.
Il y a une quête visiblement par là. Non, c'est en dessous. Moi, j'aurais envie d'essayer d'aller voir quand même... s'il y a quelque chose à voir. Bien. Bon, alors malheureusement cette campagne on n'a pas tout fait dans l'ordre hein, du coup, mais voilà. La question c'est si Sylvanas est quelque part, où est-ce qu'elle pourrait bien être? Il y a une partie du territoire qu'on n'a pas découvert là. J'ai pas le haut fait de l'exploration de l'antre. Hein. J'ai Corsia, mais je dois pas avoir l'antre. Corsia, Ravendra, Sylvanas. L'exploration de l'antre. Eh ouais. Il me manque l'hôtel de la domination. Et à mon avis, c'est la partie que je n'ai pas. Donc éventuellement, il y aurait ça à faire. Le truc, c'est que bah là, de toute façon... Peut-être qu'elle serait à Tourment. Je vais jeter un oeil à Tourment. En vrai, c'est con, mais sa pénitence, il y aurait moyen de la faire assez rapidement en plus. Hein. Si on en avait le choix, je veux dire. Ah, si on pouvait... si on pouvait nous intervenir. Bon, en tout cas, elle n'est pas dans... Elle n'est pas dans Tourment. On sait qu'elle est dans l'antre, mais on sait pas où exactement. Je me souviens de vous. Mais oui, je veux dire, ça serait relativement simple. Elle lance un grand appel dans l'antre, essayer de trouver un moyen de vraiment envoyer le message comme quoi toutes les âmes qui se sont retrouvées là auront le droit d'être rejugées. Les amener, hop, ici, près de la pierre de... près de la Waystone. Et puis... Et puis moi, le sans entrave, eh ben, je ramène toutes les âmes à Oribos pour le rejugement. Dommage qu'on n'ait pas ce choix. Parce que c'est une affaire de quoi? Un petit mois? Le temps de juste de lancer l'appel à travers tout l'antre, comme quoi toutes les âmes peuvent être rejugées. Et puis c'est réglé, hein. Enfin, c'est tout, hein. C'est pas moi qui écris le scénario du jeu.
Bien. Eh ben, je sais pas trop ce qu'on va faire du coup. Est-ce qu'on retente Est-ce qu'on tente de reprendre une campagne précédemment laissée? Où on attendra ben, d'avoir les prochains. J'avais une quête. Je vais voir ce que c'est. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais continuer à jouer. Hein. Vous méritez ce qui se fait de mieux, c'est évident. À sans entrave, j'ai un message pour vous. Un certain individu aurait une proposition à vous faire et je n'en sais pas plus, sinon que cette personne vous attend à l'arrière de l'idylle. Rencontrez le contact mystérieux à vos boss. Et c'est quoi ça, échange de bons procédés? Bonjour, oui, à vous en juger. En juger par votre tenue, vous avez dû vivre bon nombre d'aventures. Vous possédez beaucoup de reliques uniques, dignes d'une personne ayant parcouru de nombreux mondes et vaincu bien des ennemis. Certains d'entre nous accordent une grande valeur à ce genre de choses et seraient disposés à se séparer de leurs propres objets précieux en échange de ce que vous désirez. Laissez-vous guider par votre curiosité jusqu'au couloir sombre auprès des marmites dans la salle à côté. Je vous y trouverai des réponses. Retrouvez Tazul. La meilleure des fortunes à vous. Bon, juste, je fais une toute petite pause, une micro-pause, et on fait ces deux petites quêtes-là. Bien, je suis de retour. Juste, je voulais préciser un petit truc sur pourquoi j'ai dit que Tyrion ne valait pas mieux que Sylvanas, pour le coup. C'est ma logique. Hein. Moi, je suis contre la torture et la peine de mort, comme tout le monde, je pense, enfin, comme beaucoup de monde. Et comment dire ? Dans l'univers de World of Warcraft, se retrouver dans l'antre, c'est considéré comme l'équivalent d'une mise à mort, donc vraiment d'une peine de mort, qui est la peine capitale pour nous, mais en plus avec torture. Quand un individu a torturé et tué, même si c'est des millions de gens, torturer et tuer cette personne, ça fait de vous un criminel. Ok. Tuer un tueur, ça fait de vous un tueur. C'est ça la logique en fait. Donc le fait que Tyrion ait condamné Sylvanas à l'antre, elle est pas mieux que Sylvanas quoi. Même si Sylvanas a envoyé des milliers de personnes. Du moment que tu envoies une personne dans l'antre, pour moi, c'est entre guillemets criminel. Voilà, c'est ma logique. Après, voilà. Hein, on peut toujours dire tuer des millions de personnes, c'est pire que tuer une personne. Tu rentres dans la même catégorie, hein, les tueurs. Tu vois, là, c'est un peu pareil avec l'antre. Elle a peut-être envoyé des milliers de personnes dans l'antre, mais elle a envoyé quelqu'un dans l'antre aussi, donc elle n'est pas mieux. Voilà, c'est ma logique, après ça se discute, hein. Mais... Bon, et zut. Je suis con quoi moi. Je peux voler ici? J'ai toujours un doute.
faut pas voler. Le dessin nous indique la voie. Comment puis-je vous servir ? Comment je descends à l'étage inférieur ? Il y a un étage inférieur ? Écoutez, visiblement, il y a un étage inférieur, mais je le vois pas. Ah, mais oui, je suis con. C'est bon, je l'ai. Bah, attendez. Par là ? Ah ! Ah, vous voilà ! Du coup, ok. Aldalil, pour vous servir, l'humble collectionneur d'artefacts que je suis, aimerait vous faire une proposition. Je t'écoute. Vos désirs, Soléa du cartel Sceaux, convoitent une certaine relique. Il serait dans notre intérêt commun qu'elle n'y parvienne pas. Mais encore ? Il n'y a pas plus grand spécialiste en culture négociante que moi, mais les relations entre les cartels sont complexes. L'influence du cartel Sceaux à Auribos est limitée et il se peut que les autres cartels sachent des choses que j'ignore. Essayez de vous renseigner. Votre réputation vous précède et je suis sûr qu'ils seront tout à fait disposés à partager leurs informations avec vous. Interroger les différents cartels de négociation en Ribos. Non, merci. Le cartel Hall vous remercie pour votre fidélité. C'est pas plus intéressant que ça. Et donc ouais, il y a bien un étage inférieur en Ribos. Je me souviens pas l'avoir visité. Effectivement. Vous ne vous souvenez pas, mais ouais, il y a tout ça. Je vis pour vous servir, sans entrave. Ouais, c'est pas intéressant. Ce devrait être une fructueuse collaboration. Tout ça, c'est de la quête secondaire. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est empruntable, ça ? Non. Ça ne l'est pas. Dites-moi ce qu'il vous faut. Je vous en prie, revenez vite me voir. Bon, il y aurait des quêtes à faire pour les cartels. Mais bon, je vous dirais que ça m'intéresse pas plus que ça. Après, il faudrait que je retourne... Comment ? Dans ma congrégation. On va essayer de faire ça rapidement. J'ai mis le repos au four. Voilà, j'ai un peu de temps. J'ai juste le temps, à mon avis, d'aller déposer tout mon anima à ma congrégation. Et après, faudrait voir à Corsia là, pour les... ton vis. Parce que j'ai tous ces trucs là. Voilà, des fragments de reliques là.
tout ça que je dois remettre à un archiviste, mais je... J'ai jamais trouvé. Ah, puis tiens, puis ça, je l'ai pas équipé du coup. Hop, voilà. Faudra que je la transmo. Mais ouais, j'ai gagné combien? Ah, j'ai gagné quasiment 1000 points de vie quand même. Après voilà, il y aurait deux trois trucs à faire, comme par exemple la congrégation, améliorer les équipements et tout. Il y aurait ça à J'ai faire, apporté quelques modifications à mais tout mon ça fameux parasol c'est afin qu'il secondaire absorbe en fait la tout lune. Les ça. négociants ont obtenu un stock d'étranges armes d'autres royaumes. Les négociants ont obtenu un stock d'étranges armes. J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide? J'ai du boulot pour vous. Votre dos. J'ai du boulot pour vous. Votre dos. Vous remettez ça, hein? Alors, qu'est-ce que je peux débloquer? J'ai 5000. Repassez, hein, s'il vous manque encore quelque chose. Et ton niveau âme, j'ai combien là? J'ai les meilleurs prix que vous trouverez dans le coin. 70. Ouais, j'en manquerai un peu, mais ça, toutes les semaines. Ah oui, d'accord, ok. Je ferai le calcul et éventuellement S'il vous fallait rien d'autre, je vous farmerai appelez. aussi les âmes. T4. Mais je pense que ben, je vais un petit peu me concentrer aussi sur la table. Mais ça, bah pareil, ce sera hors caméra du coup. Ce sera. Du coup, on se retrouvera quand. On reprendra World of Warcraft quand la prochaine extension sortira sur Firestorm. Parce que là, ben voilà quoi, c'est tout. On va juste faire ça ensemble rapidement. C'est juste tout ce qui est anima hein, qu'on va. Ah, c'est quoi ça? Vous avez pourquoi invoquer cette mascotte? Il y a une mascotte? Une mascotte? Combien? 8000? Parce que là, si j'envoie comme ça, là, on est comment là? On n'est pas bien là, on n'est pas bien là. Tu l'envoies Théodore, 4000. Vas-y. C'est chaud. Vas-y, c'est à la place de Théodore, j'envoie. Je monte à 6000. Lucia.
6600. 6400, ouais. J'ai pas plus puissant de toute façon. Hein. Bon, non. Allez. Si on pouvait envoyer quelques gugus là qui sont pas très haut niveau. Voilà. J'en envoie avec une ventire là, hop. Confirmer. Ah, j'avais pas vu. Ah, et... Non, j'ai aucune chance sur celle-là. J'ai aucune chance sur celle-là, c'est même pas la peine. Là, il y a une autre mascotte, mais j'ai plus les troupes pour. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, je pense que on se retrouvera pour c'est Dragonfly ou Dragonwing. Je crois que c'est Dragonfly, la prochaine extension, Vol de Dragon. Et je pense que on repartira du coup sur l'histoire des dragons chargés de protéger Azeroth et les Titans. En attendant que les anciens dieux, du coup, reviennent sur Azeroth. C'est le lore hein, de World of Warcraft. Et apparemment, je pense que, vu le nom de l'extension, je me suis pas du tout spoilé, hein, je ne sais pas du tout de quoi il est question. Mais je pense qu'il sera question de ça. Je pense qu'il sera question des dragons qui sont chargés de s'occuper, du coup, de World of Warcraft, d'Azeroth. Du coup, voilà, on verra un petit peu ce qu'amène la prochaine extension. En attendant, je vous dis à bientôt. J'ignore si je vais mettre des épisodes le samedi après-midi, du coup, enfin le samedi matin, du coup, pour remplacer World of Warcraft. Je vais y réfléchir. Vous verrez bien samedi prochain si World of Warcraft est remplacé par autre chose. Voilà, ce sera un petit peu la surprise pour le coup. À très bientôt. Et n'oubliez pas, j'ai une page Tipeee, si vous voulez y lâcher 1 euro ou 2, vous pouvez. À bientôt.